Vous parler, c'est comment Angular nous fournit les services dont on a besoin. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer ce que j'appelle le système de dépendance hiérarchique. Je vous donne un exemple. Donc, vous avez un composant child component et vous avez un autre composant qui est parent component. Et donc, le child component est un composant fils du parent component. Je vous explique. Donc, ici, on va juste virer ça et on va appeler le app child. Donc, ce app child, c'est un composant fils du parent component parce on l'a appelé dans l'HTML de ce composant, du parent component. Donc, dans ce cas, on peut dire que ce composant est un composant fils et que le parent component est un composant père pour le app child. OK? Donc, Angular, comment il va procéder? Donc, vous voyez ici que dans le constructeur du child component, on veut le message service. Donc Angular, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller déjà chercher dans les providers de ce composant lui-même. S'il trouve le message service, c'est bon. S'il ne le trouve pas, il va aller chercher un peu plus haut. Donc un peu plus haut, ça veut dire le composant parent. Donc le composant parent, c'est parent component. Donc on va aller chercher dans les providers de ce composant. Si on trouve le message service, et c'est le cas, c'est bon. Par contre, si on ne le trouve pas, on va aller chercher dans le composant parent du parent component. Dans ce cas, c'est bien évidemment le app parent. Donc ça, je peux le virer. Bien évidemment, je peux le virer parce que j'ai quand même le app child ici, on peut le virer. On ne veut pas utiliser ce qu'on a vu avant, le content. Donc, de toute façon, vous avez vu, on a ajouté le app child ici. Bref, donc comme je vous ai dit, s'il trouve le message service ici, c'est bon. S'il ne le trouve pas, on va aller chercher dans le composant parent du parent component. Dans ce cas, c'est bien évidemment le app component parce qu'on a fait référence, on a appelé, on a utilisé le app parent dans l'HTML du app component. Donc ce qui veut dire que le app component est un composant père pour le app parent et que le app parent est un composant fils pour le app component. OK? Parfait. Donc s'il le trouve dans les providers ici, c'est bon. S'il ne le trouve pas, il va aller chercher dans le composant parent du app parent. Dans ce cas, on n'en a pas parce que effectivement, vous avez vu ici le bootstrap, on a mis app component. Ce qui veut dire que vu que ce app component c'est le composant parent final et que celui-là n'a pas de parent, on va directement aller chercher dans les providers du app module. Donc ici les providers ça ressemble à ça, mais comme on n'en a pas, donc si on les trouve c'est bon, si on ne trouve pas le message service ici, on va avoir une erreur, d'accord? Une erreur du genre no provider for message service, ok? Cool. Donc maintenant qu'on est, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'expliquer le self, puis le optional, puis le skip self, puis le host. D'accord? Ça, c'est vraiment des décorateurs. Donc, je vais vous montrer comment les utiliser. Okay? Donc, on va commencer avec le self. Donc, comme on avait dit, là, par exemple, on a besoin du message service, on va aller chercher dans les providers. On ne les trouve pas, on va aller chercher dans le composant parent. Donc, ici, on a les providers. Donc, ça va nous fournir les messages service. Allons vérifier ça rapidement. Vous voyez, on n'a aucun problème. Par contre, dans certains cas, on a besoin de demander à Angular d'aller chercher que dans le composant lui-même, que dans les providers du app child, du child, pardon, du child. Donc, on ne veut pas que Angular aille chercher plus loin. OK? Donc, pour faire cela, il suffit d'appeler self. Et donc, je pense que le nom est assez descriptif, self. Ça veut dire le composant lui-même, quoi. Donc, s'il te plaît, Angular, va chercher message service à ce niveau. Si tu le trouves, c'est bien. Si tu ne le trouves pas, faut pas aller chercher plus loin. Et du coup, on va avoir une erreur. Okay? Donc, dans ce cas, on a une erreur.
Donc, pour que ça fonctionne, il faut à 100% avoir ça. OK. Ça marche. Sinon, parfait. View Providers aussi. Donc, parfait. Bon, on va revenir à l'exemple avant où on avait une erreur. Donc, dans certains cas, il se peut que vous ayez envie que Angular cherche dans le composant lui-même, par exemple, ou la directive, ou etc. Mais que ce n'est pas problématique s'il ne le trouve pas. Donc, dans ce cas, vous pouvez utiliser optionnel pour éviter d'avoir cette erreur. Okay. Par contre, ici, faut savoir une chose. Angular, si vous utilisez optionnel, s'il ne trouve pas le message service, il va donner la valeur nulle à message service. Okay. Donc ici, message service, ça va être nul parce qu'il ne va pas le trouver. Et puis, on essaie d'appeler une méthode getMessage d'un nul. Donc, on va avoir une autre erreur. OK? Donc, mais ça n'a rien à voir avec la première erreur qui était no provider for message service. OK? Donc, cannot read property getMessage of nul, ce qui est normal. Donc, vous avez deux façons de faire. Donc, soit faire comme ça. Faut déjà que ce soit. Que ce soit différent, que ça ne soit pas une valeur false ici. Puis, on peut aller appeler le guest message. Vous voyez que maintenant, on n'a aucun problème. Ici, ça n'affiche pas le message, mais au moins, on n'a aucune erreur. Sinon, ce que je préfère, moi, franchement, c'est le optional chaining. Donc, le optional chaining, ça a été introduit dans TypeScript version 3.7. Et plutôt d'aller écrire ce qu'on avait avant, il suffit juste de faire comme ça et TypeScript s'en charge du reste. Donc vous voyez, on n'a aucune erreur et pourtant le service n'existe pas. Donc je pense que si vous avez compris ce que c'est le self, le optionnel, je pense que vous n'aurez aucun mal à comprendre ce que c'est le. Parce que les noms, ils sont vraiment très descriptifs. Donc le skip self, c'est justement éviter le composant lui-même, skip self. Donc, on ne va pas aller chercher dans ce composant. Donc, justement pour vérifier que c'est ce qu'on a dit est correct, ce qu'on va faire, on va virer tous les providers. On va virer tous les providers. Ici, on va aller voir. Ouais, aucun. Ici, aucun. Donc, le seul où il y a provider, c'est ici. Et comme on a utilisé skip self, donc normalement ce qu'on avait dit avant, c'est qu'il faut aller, il faut que Angular aille chercher dans les providers du composant lui-même. Donc ici on l'a, donc normalement c'est censé le trouver. Par contre, vu qu'on a utilisé le skip self, donc il va éviter d'aller chercher ici, donc il va directement aller chercher dans les composants parents. Donc voilà, ici les composants parents, il ne l'a pas. Le app component ne l'a pas, le app module ne l'a pas, donc normalement on est censé avoir une erreur. Et voilà. Vous avez vu? Donc, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit dans l'un des composants, soit parent, soit app, soit. On va justement aller le mettre ici. Vous allez voir que ça va fonctionner. Vous avez le message et c'est parfait. Donc, skip self, je pense que c'est clair maintenant. Et maintenant, on va voir le host. Donc le host, vous avez deux cas pour représenter le host. Donc le premier, c'est que lorsque vous avez un app, par exemple, on l'avait un peu vu avant, mais voilà. Donc ici, le app child, on peut dire qu'il est. On peut dire que le app child est le content du app module, du app parent. On en avait parlé avant, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé des view providers. Par contre, le app parent, on peut dire que c'est un host par rapport à app child. Vous voyez, c'est un host parce que il englobe, on va dire. Vous avez un deuxième cas.
Et c'est par exemple lorsque vous utilisez des directives. My, on peut juste dire my directive quoi. Donc, apparent est également un host pour le app my directive. D'accord? Donc, vous avez ces deux cas. Allons voir ça. Franchement, les gens se perdent un peu avec le host parce que à première vue, ça ressemble énormément au self. Donc, on va revenir à notre exemple du self. Donc, self, il va aller chercher dans le composant lui-même. On va aller virer ça. Ok, on va justement aller l'appeler ici. Donc, normalement, on doit avoir une erreur, ok? Parce qu'on va chercher d'abord ici. Si on ne le trouve pas, faut pas aller chercher plus loin. Ok? Donc, on a une erreur. Parfait. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si on utilise host? Normalement, il va aller chercher dans le self, dans ce composant, parce que le host, c'est vraiment comme le self. Mais en plus, il va aller chercher dans le host. Donc, il va d'abord aller chercher dans le composant lui-même. S'il trouve les providers, c'est bon. S'il ne les trouve pas, il va aller quand même faire une étape de plus. C'est aller chercher dans le host. Et comme on en avait parlé, le host, ça peut être ça. Et c'est vraiment notre cas. Ok? On va faire comme ça. Je vais fermer ça. Donc, on va revenir à self. Okay? On va aller au parent ici. On va justement faire un ng content. Parfait. Puis, voilà. Ok? Donc, vous allez voir qu'avec le self, on a une erreur. Okay? Puis maintenant, on va revenir au host. On va revenir au host. Et donc, il va aller chercher dans le composant lui-même. S'il ne le trouve pas, il va aller chercher, faire une étape de plus et il va aller chercher dans le host. Donc, dans le host ici, c'est le parent component. Et donc, on a les providers. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Avec le self, ça n'a pas fonctionné parce que il cherche que dans le composant. Rien de plus. Par contre, avec le host, ça va fonctionner parce que en plus du composant lui-même, il va aller chercher dans les hosts. Donc, puisqu'on a utilisé ce format, donc on a appelé le AppChild dans le apparent. Donc le apparent est considéré comme un host. Le AppChild est considéré comme un content. Okay? Vous voyez que ça fonctionne. Donc le deuxième cas, ça peut être ça. Donc ng-generate des myDirective et puis juste skip test. On ne veut pas de test unitaire. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est vraiment juste aller faire my directive quoi et juste vérifier que ouais parfait. Donc ici par exemple vous pouvez justement vous pouvez aller je vois pas la directive, je vais juste faire un. Parfait. On va juste faire un petit console.log. Et voilà. Donc vous voyez que ici, on a appelé le app my directive. Vous voyez que ça fonctionne. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour les directives, bien évidemment, pardon, juste ça. Donc pour ce cas, bien évidemment, ça va fonctionner même si on n'utilise pas le host, même si on utilise même le self. Je sais, c'est un peu perturbant, mais ça fonctionne. Pourquoi? Tout simplement parce que pour Angular, tout ça, tout ce que vous allez mettre ici, ça partage le même injecteur. D'accord?
tout ce qui est dans la même ligne partage le même injecteur. Donc demain ou après-demain, vous avez une autre directive, enfin plein d'autres directives comme ça. Ils vont partager le même injecteur. Okay? Donc en plus d'aller chercher comme, donc en plus d'aller chercher dans le composant par ou dans le host, vu que c'est, par exemple, ces trois sont utilisés dans la même ligne, par exemple, si on fait appel à un service ici, qu'on ne l'a pas dans les providers de cette directive, on va aller voir quand même dans les apps, les providers du app directive 2. Puis, si on n'a rien, on peut aller voir, vous voyez, et ça va fonctionner. On peut même faire un petit test, si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller virer ça. Et on va créer trois directives. On va s'amuser à créer des directives. Et on va même virer ça. Pardon, ouais, comme ça on va prendre ça. Puis trop. Donc on va juste vérifier un truc. Okay. On n'a pas de providers ici. Parfait. On n'a pas de providers ici. Parfait. On n'a pas de providers ici. Bon, le child on s'en sert plus, mais bon. Ok. Donc ce qu'on va faire ici. Les directives, ils ont aucun provider. Donc normalement, on est censé avoir une erreur dans ce cas. Parce qu'on n'a aucun... Ouais, on n'a aucun provider, mais ça service. Par contre, ce qui est marrant, c'est que si on appelle les providers... Enfin, on va prendre celui-là, par exemple. Message service. Donc on l'a ici. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'amuser à appeler. Ouais, on a déjà fait ça. Donc, vous voyez que ça fonctionne dans les trois. C'est un peu étrange. C'est que ici, vu qu'ils se trouvent tous dans la même ligne, ils partagent le même injecteur. OK? Donc, ils partagent vraiment tous les mêmes injecteurs. Et voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, faut faire vraiment attention à ces trois. Parce que dans certains cas, il se peut que vous allez vous en servir. Franchement, moi, je m'en sers beaucoup dans mes projets. Et je pense que c'est très important de connaître quand même ça, de bien maîtriser comment les services fonctionnent et tout. Donc voilà, j'espère que ça a été clair.